des joueurs de Laurent Lemiam qui coachent son dernier derby pour Guignon ce soir. David Alston à 3 points, David Alston qui lance cette rencontre pour Dijon. Match la balle dans la descente, mais il ne trouve pas et Sean Armand derrière ce tir est raté. Oh la vitesse de David Alston qui va servir parfaitement Jaron Johnson. Et le L1 pour Jaron Johnson, servi à la perfection par David Alston. Il retrouve Mike Gelaba et Sean Armand en percussion qui va aller arriver, provoquer justement la défense dijonnaise. Alston qui va essayer de jouer en vitesse. Oh, il a tremblé. Baba Carnias sous la vitesse de David Alston qui score. Peu de défense de la part des Chalonnais et la relance immédiate. Ça pose ses appuis opposés et ça fait filoche pour Aikir Repo. Moi je n'avais plus rien. Mais on revient dans le match, c'est Alexandre Chassant qui lutte au poste bas face à Mike Sisson. Au buzzer peut-être, oui, monsieur Charles Galliou. Et pour Guignon, tout peut se permettre. Charles Galliou, servi par David Alston, s'est raté. C'est un nouveau rebond offensif pour Dijon. Alston qui a posé ses appuis, tu es parfait, David Alston. Garetti, 8 secondes sur la possession. Le renversement pour Mike Gelabal. Oui, très bien ce gros dunk de minute. Charles Galliou. Avec l'écran d'Alexandre Chassant, il va même le reposer pour David Alston. Oh, il a passé ses appuis et il va servir parfaitement Abdoulaye Loum avec une passe laser. Il n'est même pas venu aider sur la coupe. Et pour l'instant, il faut le dire, ça ne sent pas très bon. Chalon, même si Rafimenko est une nouvelle fois trouvé dans la raquette. Petit système qui a été placé, David Alston. Alors que Chalon est revenu à moins 9, ça bouge bien. Jaron Johnson qui score. Oh là là, mais pas de défense du côté de Chalon. Cette possession était si importante. Pour une solution, Sean Armand from downtown, c'est raté. Et c'est un rebond pour Alexandre Chassant. Et le ballon récupéré par Rafimenko. Et Mike Gelabal. Chassant, 6 secondes sur la possession. Il va falloir trouver une solution. Van Wijn, Jaron Johnson, in the rhythm. Bingo! Avec la faute pour Jaron Johnson. Sean Armand qui a sauté, qui a laissé sa jambe traîner. Garrett Sim avec l'écran de Martin Meyer. Ça revient sur Rafimenko. Le ballon qui bouge. 6 secondes, Sean Armand va devoir trouver une solution. Et il a réussi à passer. Il va se venger sur Jaron Johnson avec ce N1 lui aussi. Johnson, le petit pick and roll. Et Hans Van Wijn est bien défendu par Mike Gelabal. Il est là, Mike Gelabal, mais Van Wijn aussi. Il demande la faute. Qui retrouve Sean Armand. Il a hésité à prendre le tir. Et il ne va d'ailleurs pas du tout le prendre. Mais il trouve une très belle passe à une main pour Martin Meyers dans la raquette. Et on l'a vu sur le début du troisième quart-temps. Quand on propose la combativité, bah, on est capable de revenir au score pour les Chalonnais. Charles Galliou, la très belle passe à l'opposé. Pour Monsieur Jaron Johnson sur le gong. Très belle passe de Charles Galliou. Alston, oh la passe parfaite pour Hans Van Wijn, contré par Rafimenko, pardon, par Mike Eason. David Alston, 4 secondes. Il va peut-être essayer de se venger. Il va trouver à l'opposé le gamin. Tom Yen au buzzer. Bah oui, gamin. Tom Yen a 3 points sur le gong. À Gravelines Dunkerque. Bref, que des petits matchs comme ça qui ne sont pas tombés dans l'escarcelle de Chalon et qui pourraient faire mal à la fin de la saison, même si Garrett Sim essaye de ne pas l'entendre de cette oreille-là. Il demande la faute offensive. David Alston. Oh, le cross sur Aikir Rigbou. Oh, face. Oh, mama. Ça montre aussi que Dijon ne prend vraiment pas ce match à la légère et veut aller le chercher. Sean Armand, la passe parfaite pour Martin Meyers qui score dans la raquette. Et quand il reste une minute et que t'es pas dans la pénalité et que tu vas envoyer l'adversaire sur la ligne, bah, ça fait du bien de se dire, tiens, on a quand même fait des fautes avant. David Alston. Ce diable de David Alston. David Alston, il a failli se crosser lui-même, mais il va encore scorer à 3 points. Mais il est chaud, il est incroyable ce soir, David Alston. Armand, 9 secondes. Oh, la grosse défense, Chagallou. Oh, la passe laser parfaite pour Martin Smeyers. Chalon est à moins 6. Oh là là, David Alston tout seul. Incroyable. Comment c'est possible? David Alston laissé tout seul en backdoor qui va aller finir. Sean Armand. Défendu. Oh, quelle défense de Hans Van Wijn. Sean Armand qui poche ses appuis avec les deux Francis Planche. Et voilà. La soupe est très salée ce soir du côté de Chalon-sur-Saône. Défaite pour les joueurs d'Ali Bouziane, 90 à 80.